Bonjour et bienvenue sur Monde TV, nous sommes le vendredi 25 février, l'actualité du jour au sommaire. Retrouvez aujourd'hui et ce week-end notre émission La Parole est à vous. Pour notre deuxième rendez-vous, nous avons reçu Fabrice Andrella, élu de l'opposition à Mantes-la-Ville. Que pensez-vous du projet de la halle Sulzer ? Alors je sais que c'est un gros chantier, qu'il y a différents pôles, la piscine, l'université, la halle commerciale, les logements, mais on a l'impression depuis quelques temps que l'affaire n'est pas pilotée au mieux. Si effectivement la piscine a été actée, qu'elle va commencer avec un peu de retard, je ne sais pas quand elle sera sortie véritablement de terre. On nous parle de fin 2013, mais je suis plus pessimiste que cela malheureusement. Autre problème, là d'un point de vue urbanistique, les décideurs, entre guillemets, ont validé le fait de garder cette halle. Je pense qu'il aurait mieux valu, malheureusement, la raser purement et simplement, plutôt que de faire avec du très ancien, du neuf, parce que j'ai peur qu'au bout du compte, cela coûte très cher à l'EPAMSA, enfin à la communauté d'agglomération et aux différentes communes, parce que nous avons un exemple tout récent à Mantes-la-Ville, du même acabit, qui me fait penser que le fait de vouloir rénover cette halle Sulzer n'était peut-être pas la meilleure chose à faire sur la zone. Quant à l'université, elle a pris un certain essor depuis quelques temps, mais pareil, je ne voudrais pas être pessimiste, mais le nombre d'étudiants que nous visons me paraît peut-être un peu élevé. Bon, l'avenir nous le dira, mais je ne suis pas sûr. Que pensez-vous du problème posé par la biscuiterie Gringoire ? Donc il y a un peu plus d'un an, la commune du jour au lendemain a décidé de l'achat de ce bâtiment pour 1 100 000 euros. J'avais demandé avec mon groupe à l'époque si la commune avait fait une expertise par rapport au bâtiment, par rapport à ses fondations, par rapport au futur projet que la commune voulait faire, c'est-à-dire de créer une maison des associations en lieu et place de ce bâtiment. Car connaissant notamment la hauteur de plafond, j'avais un peu de crainte sur le coût de réfection de ce bâtiment en maison des associations. La commune n'avait pas fait d'expertise à l'époque, elle nous a simplement dit qu'elle voulait préserver le patrimoine industriel de la commune en gardant ce bâtiment et qu'elle voulait éviter à un promoteur immobilier d'acheter ce bâtiment, de le raser et d'en faire un immeuble. Dont acte, en tout cas 1 100 000 euros ont été déboursés par la commune, financés en partie par la vente du château de Thillonbois qui a été bradé à l'époque pour 850 000 euros. Et un an après, la commune a fait donc faire une expertise bien après donc l'achat de ce bien par la commune. Et l'expert, entre autres l'expertise a coûté environ 60 000 euros. L'expert a dit qu'il fallait purement et simplement raser le bâtiment car il y avait un gros problème de fondation, qu'il fallait reprendre tout cela et que le coût de rénovation de ce bâtiment serait élevé. Entre donc les fondations et le coût de rénovation, on en serait à 2 millions d'euros pour un bâtiment qui avait été acheté 1 100 000. Résultat donc de ce beau gâchis. Nous avons déboursé 1 100 000 euros en bradant le château de Thillonbois et nous ne préservons pas le patrimoine industriel de la commune puisque la commune décide de raser ce bâtiment qui aurait coûté 2 millions en frais de rénovation. Nous en sommes donc maintenant à un appel d'offres concernant le choix des architectes. Nous ne savons pas combien coûtera cette future maison des associations et la date de livraison de cette maison des associations. Je reste persuadé que ce n'était peut-être pas le meilleur endroit pour mettre cette maison des associations, qu'il y avait peut-être d'autres endroits dans Mantes-la-Ville qui étaient plus judicieux pour implanter cette maison des associations qui est nécessaire à la vitalité de nos associations. Que pensez-vous de la gestion de la commune ?
Alors, la gestion de la commune, nous savons depuis de nombreuses années que la commune de Mantes-la-Ville est sur un fil au niveau financier. Les marges de manœuvre de notre commune sont très faibles. Donc, l'un des leviers, malheureusement, c'est de jouer sur la baisse des dépenses. Alors, baisse des dépenses, ça ne veut pas dire baisser les dépenses de la commune n'importe comment, sans voir les tenants et les aboutissants. Mais je reste persuadé qu'il y a des frais de fonctionnement que nous pouvons réduire fortement. Il y a des bilans à faire sur un certain nombre de réalisations faites par la municipalité depuis quelques années, et pour savoir si le rendu à la population est véritablement positif. Je pense notamment à certains centres de vie sociaux qui, pour certains d'entre eux, ont un rendu positif pour les habitants des quartiers, mais qui pour d'autres n'ont pas un rendu positif pour les gens des quartiers. Donc il faudrait peut-être se poser la question ou d'un changement de cap de certains des centres de vie sociaux, ou effectivement ouvrir ces centres de vie sociaux à d'autres services à la population pour permettre justement aux dépenses de la commune de baisser. Donc il y a un levier au niveau des dépenses, puisque malheureusement au niveau des recettes, nous sommes bloqués également par les dotations de l'État qui, dans les années futures, vont au mieux stagner. J'espère qu'elles ne baisseront pas trop pour certaines d'entre elles, mais nous allons vers des lendemains qui ne vont pas être faciles pour les collectivités locales en général et pour la commune de Mantes-la-Ville en particulier.